Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour le gameplay. Merci pour le faux. Ce mec menace ma famille, mais maintenant il veut qu'on s'en contre. Il a su exactement comment attirer mon attention. Parfait, d'accord. Tout simplement. Je vais jouer le jeu. Bon, je pense que des fois les images se suffisent à elles-mêmes, il n'y a pas besoin de les commenter. Donc là, on se retrouve. Qui possède le code et il va falloir aller pirater les fonds. Les flux sont fractionnés. Il doit y avoir deux terminaux City OS. De hauteur. C'est pas très bon. Je vais chercher l'autre porte-feu. Je me suis rendu compte qu'il va falloir que je trouve un plan pour le trouver. On arrive assez tard, il est assez simple à trouver. Alors comme j'ai pas parlé de Watch Dogs, mes premiers gameplays, mes premiers walkthroughs, on va en parler maintenant. Alors comme vous avez pu le constater avec les nombreuses vidéos, puisque c'est le jeu le plus attendu de l'année, et surtout celui qui a été le plus précommandé, ça c'est quand même exceptionnel. Il est fabuleux. Il plaît à beaucoup de gens. Je n'ai pas encore entendu de rageux, ils n'étaient pas contents. Hormis les pros GTA, hein, qui disent qu'il n'y a pas de comparatif possible et que GTA est bien mieux. Personnellement, je trouve qu'il est plus intelligent. Watch Dogs. C'est moins bourrin. Beaucoup moins bourrin. Il y a des petites choses comme les hotspots, les city hotspots qui sont vraiment quelque chose de terriblement bien pensé. On peut découvrir des choses et s'instruire par la même occasion dans le jeu. Ça c'est quand même fabuleux. Donc là, on va revenir dans le jeu, dans le gameplay. Donc on pirate le téléphone. Et on découvre
Damien Banks. Pour l'anglais fabuleux. Voilà qui veut nous rencontrer. Mais qui a fait que le piratage a fait qu'on a déclenché des. Une alerte. Et voilà les flics. Alors on peut soit aller leur échapper. Poursuite à travers la ville. Soit les buter. Alors souvent, c'est quand même plus simple de leur échapper. Même si c'est des fois assez compliqué aussi. Parce que les poursuites en voiture, pour ceux qui ont déjà joué au jeu, sont assez costaudes. C'est les fixeurs, c'est pas les policiers, excusez-moi. Et là, je vais me faire dérouiller pour changer. Viens me dire. C'est d'habitude, c'est regarder mes gameplays. De voir me faire défoncer. Et donc j'ai décidé de prendre la fuite, tout simplement. Et se mettre à travers la ville. Ce qui est quand même beaucoup plus simple. J'ai pas vu le faisceau rouge là qui s'alignait contre moi et je vais me faire éclater. Et je me suis dit, prends tes jambes à ton cou, Aiden, et va-t'en. Autrement t'es mort. J'ai enlevé les bornes pour pas qu'ils suivent en voiture, puisque une voiture était rentrée. Je m'en retrouvais avec une voiture pourrie, qui avance pas. Ça n'a pas été évident de les semer. Je vais quand même réussir. Puisque ça se retrouve sans auto. Voilà, une qui arrive par la droite, justement. On se demande toujours d'où ils sortent, hein. Ils sont derrière vous, dans un endroit bien précis, puis d'un seul coup on les retrouve sur la route. Des fois on les a devant nous. Donc, vous voyez, je vais essayer de leur échapper assez facilement. Donc là, la première partie de la mission est terminée. L'appel là. Et on va aller choper Damien. Je vous ai passé la route. Voilà, la rencontre avec Damien Briggs. Ça alors, comme il est malin. Je sais pas trop. J'ai mal dormi. Salut Damien. Qui est tout fait pour m'en rendre? Dis-moi que je t'ai manqué. T'as demandé à Star d'appeler ma sœur. Pas trop festif. On a quand même perdu. Qu'est-ce qu'on fait ici? Yes. Et on cherche les meurtriers. T'es toujours aussi sinistre, Aiden. Par les assassins, c'est jamais tu te détends, toi. Hein. Je veux retrouver mon partenaire. Moi, sur la vie. Lui, il veut recréer une collaboration avec moi. On n'a vraiment pas envie. Je suis là pour t'aider. Et on va on veut la même chose. Des réponses. Qui nous a attaqués? En plus, je sais que t'es dans une impasse en ce moment. Je t'en fous. Donc, je viens avec de bonnes nouvelles. Watch Dogs, j'ai l'affaire du Merlot. Je pense que ça peut intéresser le youtubeur. Le Merlot, c'était ta faute. Mon cul. Pour revenir. C'est toi qui as lâché un plan en or. Au lieu de l'été à... Personne n'aurait rien su si tu étais resté avec moi. Une gamine de 6 ans. J'ai dit, moi, je le trouve intelligent. Ma nièce est morte à cause de tes conneries. Oh, c'est trop bon. Tu me reproches tes petits problèmes familiaux. Damien est allé trop loin, il a énervé les méchants. Et moi alors? Quoi, toi? Tu crois être le seul à souffrir? Chaque artiste. Ils m'ont estropié. Ils m'ont tout pris. Je vous en ai parlé. Tu sais si. Et c'est moi pour un. Tranquille, moins de gens, je trouve. J'ai pas besoin de toi.
On va dire c'est un peu plus responsable. Il y avait un autre hacker. Un peu plus responsable comme jeu. Il y avait un deuxième hacker. Et je sais comment trouver. Il est tout simplement remarquable. Je suis ravi pour toi, Damien. Scénario. Mais tout seul, tu n'y arriveras pas. T'as ce qui est vacillant en général sur les GTA. Le problème, c'est que moi. Parce que c'est plus des missions. J'ai pas besoin de toi. Après mission. Je t'ai donné une piste. Là, on est vraiment dans un scénar de fou. Merci pour l'info. C'est de la motion capture, j'ai vu les images. C'est bien fait, y a pas à tranquille. Quoi. L'histoire palpitante, prenante. On a qu'une envie, c'est de jouer. Elle est au bout. Donc voilà. Au début, je l'admirais, Damien. Il m'a appris à identifier les failles dans un code et à les exploiter. Moi, je lui ai appris à faire la même chose, mais sans ordinateur. Les gens sont souvent plus vulnérables que leur système. On s'est appris des choses mutuellement. On faisait une bonne équipe. Avec Damien. Après Léna, j'ai coupé les ponts avec lui. On arrive à la fin. Je voulais plus jamais en entendre parler. Donc je vais vous dire. Mais là, il revient à la charge. Et puis, vous connaissez la chanson. Faut que je découvre ce qu'il sait sur le Merlot. Petit pouce vert, si ça vous a plu, petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Un abonnement, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Voilà, donc je vous dis salut les gens, et puis, bon game à vous.